الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, versets 26 et 27, Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Seul perdurera la face de ton Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Allah azza wa jal nous rappelle une réalité qui est al-maut, la mort. Toute personne vivante sur cette terre, tôt ou tard, mourra. Tout le monde va mourir sans exception. Allah tabaraka wa ta'ala a même dit au prophète alayhi salatu wassalam, afa in mit fahumul khalidun. Allah azza wa jal s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, si toi tu meurs, vont-ils eux vivre éternellement? Riches, pauvres, grands, petits, hommes, femmes, beaux, laids, tout le monde va mourir. Tu as un compte de bonnes et de mauvaises actions à remplir sur terre pour pouvoir présenter ce qui te sera, Inch'Allah Azzawajal, utile dans l'au-delà. Enfin, chacun d'entre nous doit se préparer pour ce voyage de l'âme après la mort. Le musulman intelligent est celui qui sait que tôt ou tard il va quitter cette terre. Tôt ou tard, il sera devant le Seigneur des mondes. Il ne sera pas devant n'importe quel tribunal, pas devant n'importe quel juge. Il sera devant le juge des juges, Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de coup de fil, il n'y a plus de piston, il n'y a plus d'amis. Il y a un bagage où dedans, il y a tes bonnes et tes mauvaises actions. Et j'aimerais qu'ensemble, on médite sur un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Le hadith d'Abi Barz al-Aslami radiallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam nous annonce à l'avance les questions du jour du jugement. Subhanallah, je sais qu'il y a plus d'une personne qui est étonnée de ce que je viens de dire. Tu arrives à imaginer, mon frère, toi qui vas peut-être passer dans pas longtemps le bac cette année, l'année d'après, ou un BTS ou un examen à la fac, qu'on te dit les questions de ton examen, je vais te les ramener à l'avance. Comment serais-tu? Il y en a, ils demandent au prof simplement les questions. Ils ne veulent pas les réponses. Mais à votre avis, monsieur, on aura quel chapitre? Ça portera sur quoi? Ils veulent juste les questions, pas les réponses. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a annoncé à l'avance les questions du jour du jugement. Tu es prêt à les écouter? Écoute avec moi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jour du jugement, le fils d'Adam ne fera pas un pas tant qu'il ne sera pas questionné sur quatre choses. Quatre choses. Alors quelles sont ces quatre choses? Awalan, ta vie, qu'en as-tu fait? Je veux que tu te mettes en tête que cette question, avec certitude, tu vas l'avoir le jour du jugement. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Allez, fais dérouler toute ta vie là, dans ces quelques secondes, fais-en un bilan pendant que je suis en train de parler. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai joué, je me suis éclaté, je suis sorti avec des femmes dans le haram, j'ai porté de l'or, j'ai écouté de la musique, j'étais en voiture avec mes potes, dans des soirées, on était en chicha, on a loué des BM cab, on était tout le temps dans les mariages à chercher la perle rare, on s'habillait beau gosse, on s'entretenait physiquement, on allait dans la salle de muscule. Défile ta vie, dis-moi, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle fait partie de la vie des insouciants ou plutôt de ceux qui dans leur vie, dès leur jeune âge, ils ont compris qu'il fallait grandir avec « قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام » dans le cœur? Est-ce que tu as fait partie de cela? Nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, leur mère ne leur donnait pas simplement du lait à boire quand ils étaient bébés, mais ils prenaient avec ce lait, Allah il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit. Ça, c'était pendant qu'ils étaient bébés. C'est pour ça qu'on a entendu d'eux que du bien. C'est des grands hommes. Et c'est des grands hommes qui
dès leur jeune âge, ont grandi dans le bain de l'adoration. Contrairement à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent « Mon frère, laisse-moi profiter de ma jeunesse. » Et hélas, « Laisse-moi profiter de ma jeunesse », sa définition, c'est « Laisse-moi faire le haram. » Alors que tu as le droit de profiter de ta jeunesse. Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de profiter de ta jeunesse? Qui t'a fait comprendre que la religion est pleine d'interdits et que tout est haram? C'est faux. Simplement, il y a des règles, il y a des lignes, tu ne dois pas les dépasser. Il y a plus de choses autorisées que de choses interdites dans la religion. Mais, comme on dit, « Al-mamnu' marroub », ce qui est interdit est attirant. Les gens, ils veulent toujours aller vers le haram. C'est-à-dire qu'au niveau des boissons, tout est permis sauf l'alcool. Lui, ben, il est tenté par cette boisson. Pareil pour les nourritures, etc., etc., etc. Ta vie, qu'en as-tu fait? Seras-tu capable de répondre à cette question correctement le jour du jugement? Et seras-tu fier de ta réponse? Et ne pense pas que tu pourras mentir ou fuir. Et sache que si tu fais... Et sache que si tu essayes d'esquiver la vérité, tes membres vont témoigner contre toi le jour du jugement. Tes mains parleront, ta langue parlera, tes oreilles, tes yeux parleront et ils témoigneront pour ou contre toi. Enfin, l'intelligent est celui qui prépare dès maintenant ce long voyage, le voyage de l'âme après la mort. Et Inch'Allah, on commence cette série à partir d'aujourd'hui et après Tarawih, Inch'Allah, on va voir dans le détail, bi'idhnillah azzajal, comment est-ce que l'âme, elle sort du corps, où est-ce qu'elle va. Et quand elle atterrit dans la tombe, qu'est-ce qui se passe dans cette station, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasalam, qui est la première station du jour du jugement. Alors, ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai appris le Coran, j'étais dans les mosquées, j'obéissais à mes parents, j'avais un très bon comportement. À l'école, j'étais un élève excellent, pas de problème avec les profs, pas de les arabes, ils font le bazar, les arabes, ils insultent, les arabes, tout le temps, ils mangent des heures de colle. Non, alhamdoulilah, j'étais un modèle. La prière, c'était à l'heure. Pas de mixité, pas de bise, pas de serrage de main. J'écoutais pas de musique, mes oreilles, il y avait du Coran. Tu feras partie de quelle catégorie le jour du jugement? De ceux qui pourront dire « Ya Allah, j'ai fait le bien dans ma vie » ou de ceux qui pleureront, pas des larmes, mais du sang, le jour du jugement? Qu'as-tu fait de ta vie? Ça, c'est une question que tu vas entendre le jour du jugement. La deuxième question. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Subhanallah. La première question, c'est qu'as-tu fait de ta vie? La deuxième, c'est qu'as-tu fait de ta jeunesse? Pourtant, la jeunesse fait partie de la vie. Mais pourquoi cette question? Qui le sait? Qui a la réponse? Pourquoi une question sur la jeunesse alors que la jeunesse fait partie de la vie? La réponse, c'est pour montrer l'importance et la valeur de la jeunesse. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wasalam, vous connaissez tous le hadith des 7 personnes qui seront ombragées sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Bukhari Muslim, où le prophète alayhi salatu wasalam, il dit que parmi ces 7 catégories de personnes, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Wallahi, c'est magnifique, merveilleux d'entendre qu'un jeune, il n'a jamais connu de fille. Il a grandi dans le bain du Coran et de la Sunna. Il a grandi sans perversion, sans garde à vue, sans problème de cité, sans embrouille, sans drogue, sans cigarette. Il a grandi, alhamdoulilah, dans un bain propre. Cela, qu'Allah Azzajal les récompense et récompense leurs parents parce qu'il y a sûrement derrière des parents qui ont bossé, œuvré pour que leurs enfants soient comme ça. Et bien sûr, une petite parenthèse pour les parents, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui laissez vos enfants dehors sans savoir ils sont avec qui, jusqu'à des heures tardives, sans savoir ils mangent quoi, ils font quoi, l'argent qui rentre dans ses poches là, il vient d'où, tous les jours il a des nouveaux téléphones, des choses dans son sac à dos, tu ne te poses pas la question. Jusqu'à même, wallah al-azim, une mère de famille m'a dit « Mon fils, dans son sac à dos, il y a des préservatifs. » Je lui dis quoi? Ces parents-là, c'est parce qu'ils ont eu un côté laxiste que l'enfant, il a trouvé de la liberté, il s'est lâché. Mais si les parents, ils avaient, on ne va pas dire verrouillé à fond, parce qu'il faut le laisser respirer, sinon il va exploser. Mais il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Tu lui donnes une liberté contrôlée, limitée. Dans le cas contraire, crois-moi, il va finir comme beaucoup de gens qui ont tout perdu. Donc première question, ta vie, comment tu l'as passée? Deuxième question, ta jeunesse, comment tu l'as passée? Mon frère, toi qui es jeune, toi qui es dans la quinzaine, un peu moins, un peu plus, toi qui es dans le début de la vingtaine, toi qui n'es pas encore marié ou toi qui es nouveau marié, sache que c'est pendant cette période que tu dois mettre le paquet dans l'apprentissage de l'arabe, du fiqh, de la religion, de l'aqida, de l'hadith.
C'est maintenant que tu dois être un prédicateur et appeler Allah subhanahu wa ta'ala. C'est maintenant que tu dois aider les gens qui sont autour de toi à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est maintenant que ton père et ta mère qui ne prient pas, ta mère qui ne porte pas le hijab, ta sœur qui désobéit à Allah, ton frère qui fume, qui boit, qui est parti en prison, c'est maintenant que tu dois les appeler à l'islam. Surtout pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que les cœurs ils sont ouverts. Les démons ils sont enchaînés. Là, tu n'as qu'un ennemi, c'est son nefs, son ego. Et tu peux, Inch'Allah, faire quelque chose. Donc chacun d'entre nous, il doit faire un effort pendant ce mois. Il doit faire un effort. Ta jeunesse, comment tu l'as passée? Ta jeunesse, si tu veux la passer de la meilleure des manières, c'est dans l'adoration d'Allah. Et attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de jouer au foot, sortir, manger, etc. Tu as le droit, mais toujours dans un cadre licite. Accompagné de frères, tu pars avec des frères, tu reviens avec des frères, d'accord? Pas de gros mots entre vous, pas d'insultes, on joue au foot, on reste musulman pendant le foot. Parce que certains, subhanallah, on dirait, et même ils ont des fois l'apparence sunna, il oublie sa religion quand il est sur le terrain. Pourquoi mon frère? Pourquoi? Donc, nous on veut des gens qui préparent dès maintenant, et bien sûr c'est un rappel que je me fais à moi-même, des réponses à ces questions. Comment tu l'as passé ta vie? 2. Comment tu as passé ta jeunesse? 3. Et là c'est très important, ton argent. D'où tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé? D'où tu l'as gagné? Dans le haram, akhi al-habib craint Allah. Donc, il faut savoir que pour ce qui est de l'argent, deux questions. D'où est-ce que tu as gagné l'argent? Certains, ils l'ont gagné dans le haram. D'accord? Ils travaillent dans une épicerie, ils vendent de l'alcool, ils travaillent dans du haram, etc. etc. Ceux-là, on leur dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que vous êtes en train de vous nourrir de l'illicite. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit toute chair qui est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Concernant l'argent, d'où est-ce que tu as gagné ton argent et dans quoi tu l'as dépensé? Tu l'as gagné dans le haram? Repends-toi mon frère. Repends-toi, répare ça et abandonne ce travail que tu fais dans le haram et sache que si tu abandonnes une chose pour Allah, avec certitude, Allah te le remplacera par meilleur car Allah Azzajal est sage et juste et il n'abandonne pas ses serviteurs. Deuxièmement, si tu as gagné cet argent dans le halal, ne le dépense pas dans le haram. Dans les hôtels, dans le haram, dans le poker, l'auto, dans tout ce qui est jeu de hasard, cigarettes, tout ça c'est haram mon frère, fais attention. C'est pas parce que tu l'as gagné dans le halal que tu as le droit de le dépenser dans ce que tu veux. Deux questions concernant ton argent. D'où tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé? Prépare-toi à avoir ces questions le jour du jugement. Quatrième question, c'est qu'as-tu fait de ta science? Tu vas me dire, mais moi, j'ai pas beaucoup de science. D'accord. Tu sais que certaines choses sont halal et certaines choses sont haram. Oui, taille. De ce que tu connais, tu en as fait quoi? Qu'est-ce que tu as mis en pratique? Tu sais que telle et telle chose que tu fais est haram. Tu en as fait quoi? Le jour du jugement, tu auras cette question, mon frère. C'est pas ton frère Nader qui va te la poser, c'est le Seigneur des mondes, Allah. Tu vas lui répondre quoi, Allah Azzajal? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Prépare dès maintenant, toi qui es intelligent, la réponse à cette question. Et l'intelligent, quand il sait qu'il y a un danger au loin, il s'y prépare. Il prend ses précautions. Eh bien, mon frère, il n'y a pas plus grand danger que l'enfer qui attend les injustes, les pervers et les mécréants. Yawm al-Qiyam, qu'Allah tabarakatala nous permette d'être à la hauteur le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de préparer des réponses à ces questions par nos œuvres et qu'Allah azzajal me facilite ainsi qu'à vous d'œuvrer un maximum pendant cette vie en étant sincère et en essayant d'atteindre à taqwa la piété pendant ce mois béni. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Je répète rapidement ces quatre questions. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Ta jeunesse, comment l'as-tu passé? Ton argent, d'où est-ce que tu l'as gagné? Dans quoi tu l'as dépensé? Quatrièmement, ta science, qu'en as-tu fait ?